On est en opposition, tous les deux très forts, aucun de deux ne cède. Et tout d'un coup, je vais m'effacer en passant sous le centre de gravité du quai. Projection sur l'avant, les pieds serrés, moroté sur la gué, mouvement à deux mains. Deux pouces, du quai, cède. Là, et je me place. Ici, Puquet me pousse, je cède et je me place. Différents déplacements, différentes réactions, de ma part et de la part de Huquet. En tournant, Huquet tourne autour de moi, je l'espère, et je me place. Technique exigible pour passer la ceinture orange. Même principe que mon roté, mais avec une garde légèrement différente. Mon roté, je tiens la garde de façon très classique, revers, main droite, manche, main gauche. Hérissé en aiguille, je vais prendre même revers que la manche, du même côté, ici. Et je vais venir me placer le coude sous le bras, comme mon roté. Là. Là. Lâcher et attaquer les deux mains du même côté, pieds serrés. Vous avez trois autres techniques au programme. Première technique, DH et barrage. Mon partenaire va avancer. Huquet pousse ici. Je profite de son déplacement pour m'esquiver et venir balayer. Décaler, gauche. On se déplace, et je viens en gauche, sur un seul pas, ici, déplacement sur l'arrière, et on s'élève. Jihachi Barai, balayage, la jambe bien tendue. Kashiguruma. Regoshi, mouvement de hanche. Je suis face à mon partenaire, je veux lancer une technique, il peut me soulever par exemple, mon partenaire est très fort en déséquilibre arrière, je ne peux pas. À ce moment-là, je ressors de ma technique, je profite de son déséquilibre pour venir faire au saut de garde. Une fois avec chute, il peut me soulever, déséquilibre arrière. Tori attaque Ippon sur la gué, Huquet défend en se mettant sur l'arrière. On profite de son déséquilibre et on enchaîne sur une technique arrière au sotogari. Uchigari, mon partenaire se met sur l'avant. Je profite de son déséquilibre pour pivoter. Attaque Uchigari, technique arrière. Huquet défend en se mettant sur l'avant. On enchaîne Taitoshi.